Moi, j'ai choisi d'être en ville et de faire du bio. Donc, ça impose pas mal de choses sur le choix des matières premières, sur comment est fabriquée la bière, quel processus on utilise. Enfin, c'est un ensemble de choses assez compliquées à gérer, mais moi, c'est le choix que j'ai fait dans la brasserie. C'est vrai que toutes les bières industrielles ont été quand même beaucoup standardisées, et notamment standardisées au niveau du goût. On fait des bières qui sont passe-partout et qui n'ont pas vraiment de goût, alors que les brasseries artisanales, eh ben, on a redécouvert que les malts, les houblons, les levures, enfin tout ce qui entre dans la composition d'une bière, ça pouvait apporter des goûts et des saveurs qu'on ne connaissait pas. Donc, eh ben, on maîtrise beaucoup plus le processus, comment c'est fabriqué, tout le travail de fermentation, dans la mesure où on est souvent sur des petites unités de production. Hein. Moi ici, je peux faire des unités à une cuve comme ça, c'est 500 litres. Donc à cette taille-là, on maîtrise totalement ce qui se passe en fait. Comment est fabriquée la bière, comment réagissent bah, les levures qui vont faire la fermentation, à quelle température, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens accrochent en fait à un produit comme la Montreuilloise. C'est d'une part le goût, c'est de redécouvrir pour beaucoup de gens en fait le goût de la bière, donc de sortir des goûts standardisés, de redécouvrir que on peut composer des bières avec plein d'éléments qui vont donner plein d'arômes très différents et très nouveaux. Donc il y a ça. Je pense qu'il y a cette recherche du goût et qui aujourd'hui est en train de revenir en force avec les bières artisanales, qui plaît énormément. Et puis je pense qu'il y a la démarche. Ça, c'est l'autre élément qui, à mon avis, est aussi lié à ça. C'est pour les gens l'intérêt de découvrir des produits locaux, de redécouvrir qu'en ville, en Seine-Saint-Denis, on peut produire des produits alimentaires sains et de bonne qualité. Donc ça, ça étonne au début souvent. Les gens disent, ah bon, à Montreuil, on peut faire de la bière, c'est quand même étonnant. Et puis finalement, quand ils goûtent et qu'ils voient comment c'est fabriqué, bah, ça leur semble tout à fait naturel et à encourager. Donc, on avait vu un article sur lui et on s'était dit qu'on allait le rencontrer pour savoir si on pouvait travailler avec lui. Parce que c'est plus facile de parler d'un produit et de le vendre quand on sait d'où il vient, quand on sait comment il est produit et quand on connaît la personne qui le fait. Et étant donné que lui, il fait tout de A à Z, il a pu nous expliquer tout le procédé. Et donc on sait exactement du début à la fin comment elle est faite, enfin comment elle arrive chez nous.